Eh bien bonjour, comment ça va? Nous sommes aujourd'hui avec... La Casa de Papel. Non, bah non. Non la non. Casa de Papel, bah la non. Série. Mais où est la maison de la monnaie à ce moment-là? Ah ouais, non, en fait j'ai regardé que... Et c'était McFly! Oui. Il est où Raph? Il est où Raph? Ah mec, je vois rien du tout. La fille fait figure de surdouée de l'adaptation. Elle a atteint des sommets dans l'art de la contrefaçon. Le Jim Carrey de YouTube. Oh la chaise de merde. La vidéo ah. La vidéo n'a que ah. La vidéo n'a que 20 secondes. Regardez-moi ça ah. La vidéo a 20 secondes, bienvenue à tous. Ces vidéos sont des genres de catharsis, un exutoire, c'est-à-dire que... Mais ferme-la. Bon les amis, on arrête la casse. Des papels. Nous sommes réunis ici, non pas pour prier Dieu, mais pour ouvrir, déballer certains... Le numéro 1, quasiment bientôt numéro 1, a échoué, mesdames et messieurs. Non, les gars, sois à la perche. Les amis, je ne suis pas retourné au Japon depuis la dernière fois. Toi, tu manges des madeleines dans ma vidéo. Des madeleines Saint-Michel. Ah, est-ce que vous pensez que cette madeleine peut rentrer dans mon nez? C'est du gâchis. Ouais. Oh attends, il a fait une superbe... Oh, tu pouvais pas faire mieux. Dans cette vidéo, vous voyez ce genre de gag, il va y en avoir beaucoup. Puisqu'aujourd'hui, nous allons déballer des objets de farce et attrape. Farce et attrape, ce mot. Je suis le seul à être enthousiaste. Le concept le plus simple. Les farces et attrapes et moi, c'est une grande histoire d'amour. Ceci est... De la moutarde. Est-ce que tu peux ouvrir ce pot? Putain. Ah. Non, mais bah, c'est de la moutarde. C'est tout? Oui. Oh la vidéo. Regardez bien, le diamond button. Regardez bien ça, c'est deux objets côte à côte. C'est ça. C'est ça YouTube aujourd'hui. Vous l'aurez compris dans cette vidéo, je réalise un rêve d'enfant, j'ai acheté beaucoup de farces et attrapes. Lâche cette bite. J'ai acheté beaucoup de farces et attrapes et on va les ouvrir ensemble avec ma frère et Kaito. Moi je sais les objets que j'ai pris, mais eux ils ne savent pas donc je vais leur faire découvrir. Il y a des objets, je vais les ramener, vous en aurez entendu parler toute votre vie et enfin vous l'aurez devant vous cet bien, objet. Okay. Ça comme va par arriver. Exemple une relation sexuelle avec une femme consentante. Comme dans chaque vidéo, on déballe des objets, il y a une tradition qui a été mise en place et qui s'appelle les costumes. Ouais. Ah bon, on a fait ça? Oui, à chaque oui, fois. Bien, d'accord. Fois, ouais, qui veut mettre son costume en premier? Ah. Non, arrête. Non, arrête. Est-ce que vous saviez que ceci existait? Ah non, mais c'est bien. Ah. La maturité, elle est définie par quoi? Tu vois, les gens nous disent à nous: ah bon, vous avez des enfants? Bah dis donc, mais on paye des impôts. Il a une maison de campagne. On travaille dur. La vaisselle, c'est pas la meuf qui fait. C'est tout le monde qui fait. Il y a un ensemble, point de vue du logis, domestique, ménage, relations familiales. Je me fais chier. L'homme dedans est déjà très large, donc le costume ne l'est plus. Pour moi, il est à ma taille, quoi. Ah. Ouais. À demain. Oh non, j'adore. De toute façon, dès qu'on a une tête comme ça dans la vidéo, c'est... j'adore. Bah là, t'as ta vignette, hein, quasiment. On va faire une petite pause. Bon, Raph, c'est long, là. Imaginez, mes enfants plus grands. Ils... Au fait, ton travail, c'est quoi? Bam, extrait. Mec, est-ce qu'on peut dire que c'est la pire réplique de flûte jamais vue, quoi? Tout est la pire réplique. Oh merde. Ah, c'est ouf, c'est clair, c'est énorme, quoi. Non, mais c'est pas... Ça va, sexuellement? Non, mais là, j'ai fait... Bon, les gars, il manque un costume. Petit bijou, les serpents. Et bibou, les serpents. Le petit câlin du serpent. Mais il rendait mieux en photo, quand même. Les Japonais sont tellement meilleurs que les Français, en gag. Il y a même pas le... Comment on appelle ça? La petite racine verte, là. Si, elle est là. Il a même pas fait l'effort. Ok, attendez. Peut-être puis-je avoir l'aide de l'un de vous deux, sans spoil le troisième. Oh bah moi je ça regarde ailleurs. Je regarde dans cette direction, c'est une direction parfaite. Là ça va être l'éclate, mec. Vous allez voir, celui-là c'est l'éclate, c'est... Vous vous rappelez de Jackass? Ah ouais. Allez, je me prépare psychologiquement. T'es prêt à délirer? On va péter un plomb, on va être hypé, David, ça va nous turn up. Photo toi, David, pour mémoriser cette vidéo. Oui. Ça va pas marcher. C'est censé être un appareil photo qui envoie de l'eau. Ça, ce qui est important, c'est d'en faire attention. Lucas, c'était... Oh, t'as une clope, tu veux te fumer un peu même? Une petite clope, là, pour la... Oh putain. Le premier gars qui a marché. Oui. Mais qu'est-ce rien que c'est? Et le deuxième? Qu'est-ce que c'est? Ça fait de l'électricité? Oh, c'est horrible! Y'a que moi qui ai eu mal et les gens n'ont rien vu. C'est vraiment la pire chose. Les gars, j'ai un bail génial. Petit extrait des bails géniaux qu'il y a eu dans cette vidéo, déjà. Les amis, est-ce que vous connaissez cet objet? Un dentier qui s'agite tout seul lorsqu'on le pose sur une table. On va s'éclater. Oui, Lucas, ça va? On le connaît, ouais, on connaît, ouais, ouais. Bah, aujourd'hui, on l'a en vrai. Ah ouais, enfin, tu veux dire? Profiter, c'est sûrement le meilleur moment de toute la vidéo.
Non mais les gars, enfin regardez, ouais, je vous le refais bien. C'est un peu drôle au bout d'un moment. On est avec un des meilleurs youtubeurs de France et on assiste à une déchéance totale. Bon les gars, ça fait longtemps qu'on a pas ouvert un petit pot. Qui veut l'ouvrir? Avec plaisir. Tu peux secouer pour voir ce que c'est? Des petites cacahuètes. Des cacahuètes, évidemment. C'est même plus une teub ou un truc. Regarde bien. Est-ce qu'on peut remettre cette séquence au ralenti s'il vous plaît? Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Ce serait pas du poil à gratter par exemple, par hasard? Qui veut tester le poil? Madfly. Ok. Enculé. Ça se présente comme du poil. T'es prêt? Bah ouais. Bon les gars, qui n'a jamais rêvé d'avoir cet objet? Attention, essaye de deviner. Tu le voulais quand t'étais en cours, absolument cet objet. Tu savais pas trop si c'était une légende ou s'il existait vraiment. Le stylo qui efface et qui réécrit? Non. Le stylo qui écrit tout seul? Non. Le stylo avec des dents sèches. Ah, j'allais dire des parents pas séparés. Vous n'avez jamais rêvé d'avoir ce stylo? Si. Ah waouh. Tu peux écrire. Lucas, ça va? Ça va mec. Ouais, de ouf. C'est bien. Non mais après on peut parler de soucis peut-être après, enfin. Les vacances, c'était bien les vacances? Ouais, cool. Là, la rentrée, ça se passe. J'ai vu les 10 millions, la vidéo. C'est super bien, très bien. Bravo, félicitations. Hein. Même, t'as trouvé une direction là qui déchire sur YouTube. Ouais. Les gens, ils kiffent. T'entends les gens qui disent, t'as vu ce qu'il fait? Et puis, ce qu'il fait, même sur Twitch. Ça, c'est dans la lignée, tu vois. C'est genre, les gens, ils apprennent des trucs, ils découvrent des choses. Et puis, de manière ludique, ils s'amusent. Qu'est-ce qui t'arrive sur cette putain de vidéo, Lucas? Pourquoi t'as commandé de la merde? Mais je peux pas commander de la. Ah, si, attends, comment tu sais? Oh, t'as regardé dans le carton. Eh, comment t'as fait pour savoir avant que je l'amène celui-là? Oh là non! Tu rêvais d'un fou caca étant plus jeune. Est-il réaliste? Ah, il est pas mal! Il est mou ou pas? Je peux montrer l'envers du décret. Venez, on fait comme si on marchait sur du caca. Allez! Oh, McFly, maman, regarde! Il y a un masque de loup! Oh non, non! C'est marché dans la merde! Mais du pied gauche, ça porte bonheur! D'un pistolet à prout. La tristesse d'un. Regarde, tu fais ça en appuyant sur le nom. Oh, monsieur, vous êtes un péteur. Non, les gars, je vous ai mis tôt. Voici le nouvel objet climax de la vidéo. S'ouvre dans cet objet. Tu vas rien me prendre à la gueule? Non. En train de les tuer. J'ai des vertiges les gars. Les gars, on a rien mangé ce matin, tenez-vous. Ah cool, merci. Oh cool, des caramelos tutti frutti. Là, je vais ouvrir cette boîte. Tournez en rêve. Je vais commencer à casser des trucs. Eh, la vidéo, je vais l'appeler. Essayez de ne pas quitter le tournage. Non, mais essayez de rire. Essayez de rire. Ah oui. Les gars, je peux vous dire un truc pour de vrai? Le prochain objet, gros. Non, cette fois vraiment, cette fois vraiment. C'est le rêve de toute une vie. J'en faisais des faux avec mon frère en alliant deux trucs, mais je vais pas dire parce qu'il y a des jeunes qui vont produire et j'ai pas envie qu'ils le fassent. Qu'est-ce que c'est, Lucas? Des vrais fumigènes. Oh waouh. Oh, bonne idée, plutôt bonne idée. Alors, est-ce qu'à votre avis, il marche? Parce que ça vient du même site que le reste. Je vous lis un petit peu les éléments comme ça qu'il y a écrit. N'utilisez que dans un espace bien aéré. Et attention, allumez à bout de bras à l'aide d'une allumette. Alors, j'explique un truc, mon bureau c'est l'ancien fumoir du bâtiment. Donc avec un peu de chance, ils ont jamais réactivé les détecteurs de fumée. Et c'est d'ailleurs pour ça que la dernière fois qu'on avait fait des feux d'artifice tout dans le bureau, ça avait rien déclenché. J'espère. Si je me trompe, on est mort. Allez. Par contre... Non, je crois. Vous avez dit quoi? Non, quoi? Ouais, ça va. Non, rien fait, t'inquiète. On en allume un seul pour le moment. C'est prêt, les gars? Deuxième chance. Mec, je t'aime! Je veux me paxer avec toi!
Bah c'est bon. Heureusement que Carito s'est barré parce que... Ah là on est bien. On est comme, à la forêt, vieux. Tu sais, j'entends les grillons un peu, tu vois ou pas? Vas-y, tu sais quoi, je me ferme un peu les yeux, là je me mets bien. Ouais, pareil, on se repose.